Alors, la numérologie. Alors, moi, j'ai écrit la numérologie humaniste, moderne, énergétique. Numérologie, d'abord, ça vient de deux mots. C'est un mot hybride. Hein, ça vient d'abord d'un mot latin qui est numerus, qui veut dire le nombre. Et logos, qui est un mot grec, qui veut dire le discours. Alors, c'est vrai qu'il parle grec, une machine d'histoire, le discours. Donc, on peut dire que la numérologie, un peu, c'est le discours sur les nombres. Le discours des nombres, je dirais même, c'est le discours sur les nombres et leur interaction. Parce qu'on verra que les nombres, ils ont des interactions, ils ont des choses qui vont bien, d'autres moins bien. On verra ce qu'on fait un petit peu. Donc, il est humaniste parce que, justement, en numérologie, on va s'intéresser tout d'abord à l'humain. On va lui donner la priorité. Et il va être au centre de cette science-là. Dieu créa le monde en l'un de l'être, et ces lettres étaient des nombres. Il enseignait donc que l'harmonie de l'univers était contenue dans les nombres et qu'ils étaient l'essence de toutes choses. Ce qui fait notre personnalité, donc à mieux se connaître. Comprendre aussi les influences que l'on va prendre en compte pour nous assumer et voir comment avancer sur notre chemin de vie pour nous épanouir. En fait, quand on parle de personnalité, par exemple, quand on va s'occuper de quelqu'un, on va vraiment regarder sa personnalité, ses potentialités, tout ce qui est ses aspirations profondes. Donc, en faisant tout ce travail, ça va nous permettre un peu de comprendre ce qu'on est venu faire sur cette planète. Nos sept va représenter aussi tout ce qui est la foi, la connaissance, le besoin d'ouverture vers les autres. La rébellion aussi, les excès parfois. Et le 8, lui aussi, va représenter tout ce qui est matériel. Mais le chemin de vie, il est indissociable de la personnalité, des potentialités et des aspirations. Imaginons que les énergies du chemin de vie et les énergies de la personnalité sont des énergies qui sont dualitaires, qui sont opposées. Et bien, il va falloir évoluer obligatoirement sur la personnalité pour pouvoir suivre son chemin de vie positivement. Sinon, ce n'est pas possible. Une petite question. Est-ce qu'un adulte qui porte le nom de son père, qui décide de changer de nom et de prendre le nom de sa mère, est-ce que cela va changer quelque chose ou... Alors, un adulte qui porte le nom de son papa et qui reprend le nom de sa maman. Oui, avec la nouvelle loi qui peut changer. Que le nom de sa maman? Oui. Bah, ça ne changera rien dans sa personnalité. Ça confirmera pas. Bah non, puisque de toute façon, il l'a du début, ce nom. Il ne l'a pas en force dans son état civil, mais puisque la personnalité, elle est à partir du nom de jeune fille d'avant. Il y a des écoles de numérologie qui prennent le nom du père. Hein. Après, c'est là où on voit la différence parfois des choses. Mais voilà. Oui, effectivement. Moi, par exemple, à mon âge, ça influence mes choix dans ma vie. De me dire, ah bah là, du coup, on me dit qu'à tel âge. Non, mais encore une fois, ce sont des ambiances.
C'est des gènes, en fait, de l'école, on parle d'esprit tout à l'heure. Non, comprendre que quand on fait une année personnelle, on ne va pas dire bah, avoir ça, 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 ça. Chaque année a des énergies différentes. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre quelle attitude, quel comportement il va falloir adapter à ces énergies qui sont différentes chaque année. C'est une sorte de guide, c'est pas une imposition. Par exemple, quelqu'un qui est dans une année 4, qui est donc plus restrictive, s'il ne s'adapte pas à ce côté un peu limitatif, il va se retrouver dans des difficultés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à mes pages Facebook et Instagram pour suivre toute l'actualité et à ma chaîne YouTube Les Oracles de Pity TV si ça n'est pas déjà fait. À bientôt.